Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 techniques très puissantes qui vont vous permettre de doubler les revenus de votre blog. Ce sont exactement les techniques que j'ai appliquées sur Traffic Mania et qui m'ont permis de multiplier mes revenus blogging par 10 par rapport à l'époque où j'ai commencé il y a déjà quelques années. Quand j'ai commencé à gagner ma vie en ligne il y a quelques années, je générais moins d'argent que ce que je gagnais en tant que salarié. Et en fait, j'allais à la pêche aux informations sur Internet et j'essayais désespérément d'appliquer les conseils qu'on trouvait partout en ligne. Un premier conseil, par exemple, qui me menait nulle part, c'était de créer sans arrêt de nouveaux produits. Et finalement, il se passait un truc, c'est que mon audience se lassait, les gens achetaient de moins en moins de produits et j'avais même moi aussi l'impression de me répéter sans arrêt. Et puis, il y avait un autre conseil que j'entendais absolument partout sur Internet, c'était ce conseil qui disait de trouver l'espèce de formule magique dans la page de vente. Trouver la formule, la phrase miracle qui va faire que je vais pouvoir doubler mon taux de conversion. Évidemment, ces astuces ne me menaient nulle part, elles me menaient même plutôt vers l'impasse avec des ventes qui ne dépassaient pas les 600, 700 ou 800 euros par semaine. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec la concurrence qu'il y a en ligne, le fait de surmultiplier les produits ou de partir sur des pages trop agressives ne va pas avoir d'impact significatif sur votre chiffre d'affaires. Je vous conseille beaucoup plus de partir sur des prix élevés, de partir sur un haut niveau de qualité si vous voulez vraiment gagner votre vie en ligne. En tout cas, moi j'ai tout remis en question lorsque j'ai lancé Traffic Mania et aujourd'hui je vais partager mes découvertes avec vous. Mais juste avant de vous donner ces 5 points, je vais vous demander simplement de bien vouloir vous abonner à cette chaîne. Alors voici la première astuce et cette astuce elle est fondamentale et elle a un impact énorme sur votre chiffre d'affaires. Elle concerne votre positionnement et vous allez vous rendre compte que le positionnement marketing en fait c'est d'aller chercher des gens qui recherchent des résultats plutôt que des gens qui recherchent de l'information. C'est quelque chose qui est plus complexe que simplement le choix de votre thématique, le choix de votre niche. Je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Imaginez que vous soyez passionné par les voitures et que vous voulez monter un business en ligne qui tourne autour des voitures. Eh bien moi, je vous déconseillerais de monter un blog qui parle par exemple des dernières sorties ou des derniers essais ou du dernier moteur qu'on peut trouver sur la dernière Volkswagen Golf, etc. etc. Ça n'aura pas énormément d'intérêt pour les gens. Vous allez avoir du trafic qui va être du trafic informatif, mais pas des gens qui sont en quête de résultats. À mon avis, si vous vouliez bloguer sur l'univers de la voiture, il vaudrait mieux beaucoup faire un blog qui va parler de comment améliorer ses performances de pilote, comment gagner une seconde au tour. Par exemple, vous avez des gens qui chaque week-end vont sur les circuits et essayent de conduire le plus vite possible. Eh bien, vous pourriez tout à fait faire un blog qui donne des conseils de pilotage aux gens et là, vous auriez des gens qui sont intéressés par un résultat et qui seront prêts à acheter des produits. Alors que si vous faites un blog généraliste, vous aurez le plus grand mal à générer la moindre vente. La différence, en fait, elle est énorme parce que, encore une fois, vous allez chercher des gens qui cherchent un résultat plutôt que des gens qui cherchent de l'information. Autre exemple, imaginez que vous soyez un bon pédagogue et que vous vouliez faire un site pour aider les étudiants. Eh bien, moi, je vous conseillerais, par exemple, d'aller sur un site qui explique aux étudiants de médecine comment réussir leurs études, comment franchir par exemple le seuil de la première année. Il y a un tel écrémage, il y a un tel niveau de difficulté que là, évidemment, vous auriez des gens qui sont orientés résultats et qui seraient prêts à acheter des produits. Alors que, au contraire, si vous faites un blog généraliste sur les étudiants, eh bien finalement, vous n'aurez que du trafic informatif et personne ne serait suffisamment intéressé pour passer à l'achat, d'accord? Donc, c'est très important de comprendre cette nuance et l'impact en termes de vente dans une même thématique et dans une même niche peut aller de 1 à 10, peut aller de 1 à 100, tout simplement parce que vous orientez votre contenu sur un résultat plutôt que de l'information. Maintenant, voici la deuxième astuce qui va avoir un impact énorme sur vos ventes en ligne. Elle concerne vos campagnes de vente. La plupart des gens, ils se contentent tout simplement d'envoyer un email ou deux à leur liste et puis ensuite, ils vont mettre le produit dans un coin de leur site en attendant que les gens veuillent bien venir cliquer sur la page et éventuellement acheter le produit. En fait, la plupart des gens agissent en pêcheur, c'est-à-dire qu'ils balancent un hameçon dans l'eau et ils attendent qu'un poisson passe pour pouvoir l'attraper, alors que vous devriez plutôt agir en chasseur, c'est-à-dire vous allez traquer le gibier et vous auriez de bien meilleurs résultats en étant un blogueur chasseur plutôt qu'un blogueur pêcheur. Je vous donne plusieurs astuces qui vont vous permettre d'obtenir ce résultat. La première chose, c'est de jouer sur les effets rareté lorsque vous allez faire vos campagnes de vente. C'est hyper important d'utiliser 3 leviers. Alors, un des 3, 2 des 3 ou les 3 en même temps, vous aurez de meilleurs résultats. Le levier numéro 1, c'est le levier sur les prix. C'est toujours intéressant d'offrir une réduction pendant une période donnée à vos clients. C'est le même effet qui est utilisé pendant les soldes ou pendant le Black Friday ou alors pendant lequel eh bien, les prix vont être absolument cassés et finalement ça va créer un tel effet en termes de taux de conversion que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Le deuxième effet que vous pouvez jouer, c'est celui sur la disponibilité. C'est quelque chose moi que j'ai utilisé beaucoup sur Traffic Mania, c'est de rendre mes produits disponibles seulement pendant un certain laps de temps en disant aux gens, bah voilà, vous pouvez acheter cette formation pendant une semaine et ensuite elle ne sera pas disponible pendant plusieurs mois. Et bien là aussi, vous incitez fortement les gens à passer commande. Le dernier effet de rareté sur lequel vous pouvez jouer, c'est l'effet bonus. Contenu supplémentaire. Vous pouvez très bien dire aux gens, voilà, si vous achetez le produit maintenant, non seulement vous aurez la formation, mais en plus, je vous rajoute du contenu bonus, un accès premium, etc., etc., ce qui va encore plus inciter les gens. Bien sûr, vous pouvez combiner ces effets les uns avec les autres pour doper votre taux de conversion. Je vous conseille également d'envoyer plusieurs emails parce que vous n'avez pas idée du nombre de gens qui attendent le dernier moment pour acheter. À mes débuts de blogging, je n'osais pas solliciter ma liste. J'envoyais un email et puis j'espérais que les ventes seraient au niveau. Aujourd'hui, j'en envoie beaucoup plus parce que je sais par expérience que chaque email envoyé me permet de relancer mes ventes. Il faut également ne pas hésiter à travailler en multicanal et à utiliser d'autres leviers que le simple email promotionnel et la simple page de vente. Vous pouvez par exemple utiliser les webinaires qui fonctionnent extrêmement bien pour vendre beaucoup plus de produits à votre audience. Ok, on a bien avancé. Alors maintenant, voici la troisième astuce qui va avoir un impact sur votre revenu de blogueur. Évidemment, vous savez très bien que si vous voulez faire des grosses ventes, il va vous falloir une plus grosse audience. La quantité de votre audience qualifiée est intimement liée à la quantité de chiffre d'affaires que vous allez faire. Et pour beaucoup de blogueurs, la pêche au trafic se révèle tout simplement une galère. La plupart des gens vont suivre ce conseil moisi qui est de publier souvent. Donc les gens vont publier 2, 3, 4, 5 articles par semaine en espérant que c'est ça qui va créer leur audience. C'est absolument pas le cas et c'est même souvent l'inverse. Moi par exemple sur Traffic Mania, je n'ai même pas publié un article par mois depuis que mon blog existe et pourtant j'ai une audience importante. J'ai plusieurs milliers d'inscrits à ma liste qui me suivent avec attention. Il faut savoir qu'il y a un autre moyen. Si vous voulez avoir du trafic rapidement, eh bien moi ce que je vous conseille, c'est d'investir tout simplement en publicité Facebook. Aujourd'hui sur Terre, il y a 2 milliards de personnes qui ont des comptes Facebook et Facebook est tout à fait en mesure d'envoyer votre publicité à un public qui est ciblé. Donc il suffit pour ça de vous rendre sur votre compte Facebook et de créer une audience avec des intérêts qui tournent autour de votre thématique. Si vous voulez vendre par exemple des formations sur le dressage de chiens, c'est extrêmement facile sur Facebook de trouver des gens qui sont intéressés par cette thématique et ainsi vous pourrez leur présenter votre blog, vous pourrez leur présenter votre produit et augmenter votre trafic de façon quasiment infinie. Alors évidemment, cette stratégie a un coût, mais vous devez plutôt agir en investisseur, c'est-à-dire que vous devez regarder ce que ça vous coûte, mais également ce que cela vous rapporte. Essayez d'avoir une vision globale sur votre business et de ne pas uniquement vous concentrer sur les dépenses, mais de regarder la balance entre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez. Ok, maintenant voici la quatrième technique que vous allez pouvoir utiliser pour impacter fortement votre chiffre d'affaires. Et elle concerne la qualité du contenu. En fait, souvent les blogueurs sont extrêmement déçus de leurs premiers résultats parce qu'ils appliquent des mauvais conseils. La plupart des gens, en fait, ils ont une vision tronquée et ils pensent qu'il suffit d'avoir 2 choses pour faire des ventes. Ils pensent qu'il suffit d'avoir du trafic et il suffit d'avoir des produits. Et que ces 2 choses-là sont suffisantes pour générer un chiffre d'affaires. En fait, ils oublient un élément qui est un élément qu'on ne peut pas mesurer mais qui est extrêmement important. C'est la crédibilité que vous avez. C'est la confiance que vos lecteurs vous font. Si vous n'êtes pas crédible, si les gens ne vous font pas confiance, eh bien, ils ne vous achèteront jamais rien. Et vous savez pourquoi? Parce que les blogueurs sont simplement des gens qui travaillent chez eux depuis leur salon et les gens le savent. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de prouver avec votre contenu que vous êtes un expert de votre thématique, que vos conseils tiennent la route, eh bien, vous n'y arriverez tout simplement pas. Comment faire pour créer cette crédibilité? Comment faire pour créer ce niveau de confiance avec votre audience? Eh bien, le plus simple est de créer du contenu qui soit extrêmement qualitatif, c'est-à-dire des articles qui sont plus longs, des articles qui montrent des résultats, des articles qui vous permettent de créer un lien avec votre audience, de montrer aux gens que vous les comprenez, que vous les encouragez à agir. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, sur Internet, la plupart des blogs présentent des articles qui sont creux et qui n'ont absolument aucune utilité. Et c'est une excellente opportunité pour vous. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous arriverez avec du contenu qui sera extrêmement qualitatif, eh bien, vous pourrez faire un trou dans votre thématique. Moi, c'est exactement le parti que j'ai pris sur Traffic Mania. Je publie peu, mais je publie des articles qui sont longs et qualitatifs. Et c'est ça qui a permis à mon blog de s'imposer dans une thématique qui avait l'air bouchée. Donc cette astuce, elle est extrêmement importante. Si vous voulez faire des ventes, vous devez créer de la confiance et cette confiance, elle va venir en créant du contenu qui sera d'un niveau qualitatif supérieur à celui des autres. Voici maintenant la cinquième astuce qui va vous permettre d'impacter fortement le chiffre d'affaires de votre blog. Ça concerne vos produits. Vous devez absolument créer les produits que les gens attendent. Il y a plein de blogueurs qui ne vendent pas parce que trop souvent les blogueurs sont partis sur un choix instinctif et ils n'ont pas créé le produit qui était attendu par leur audience. Et souvent ça part d'un très mauvais conseil qu'on entend encore une fois très souvent, qui est de créer les fameux personas. Ce qui fait que les gens vont créer des espèces de clients idéaux basés sur un âge, basés sur un sexe, basés sur un niveau de revenu, mais ils vont passer à côté du plus important. Le plus important, ce n'est pas l'âge, le sexe et les revenus de votre audience. Le plus important, ce sont leurs attentes. Qu'est-ce qui les fait rêver? De quoi est-ce qu'ils ont envie de se débarrasser comme problème? Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Qu'est-ce qui génère des espérances? Qu'est-ce qui les fait souffrir? Si vous êtes en mesure de répondre à ces questions-là, vous êtes en mesure de créer le bon produit. Encore une fois, le secret de la fortune, il est extrêmement simple et il tient en trois étapes. C'est 1. Identifier un problème. 2. Créer le produit qui permet de résoudre ce problème. Et 3. Vendez ce produit. Et la plupart des gens oublient de partir du problème de leur audience, tout simplement parce qu'ils sont partis sur les personas au lieu de partir sur les véritables attentes de leur audience. Donc, comment faire pour régler ce problème? Eh bien, c'est très simple. Posez la question, envoyez un email à votre audience et demandez-leur ce qu'ils attendent. Demandez-leur de quoi ils souffrent. Vous pouvez également le faire sous forme de sondage avec un outil comme Google Forms. C'est gratuit et extrêmement simple à faire. Vous pourriez aussi tout à fait créer des versions bêta, des prototypes de vos formations et les envoyer à un échantillon de vos inscrits, leur demander ce qu'ils en pensent et ensuite modifier votre produit en conséquence. Votre produit sera beaucoup plus attractifs. Voilà, donc on a vu 5 astuces qui permettent de doubler le chiffre d'affaires. Maintenant, encore un mot. Je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne et également, si vous avez aimé cette vidéo, de la partager et de me mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer. Je voulais également vous dire que vous pouvez télécharger une formation d'1 heure sur le trafic. Le lien est là en dessous en description. Cliquez simplement dessus. C'est gratuit et vous aurez un plan d'action pour aller chercher de nouveaux lecteurs. En attendant, merci beaucoup et à bientôt sur Traffic Mania. Ciao!